Les boulettes de viande hachées de bœuf sont un plat savoureux et polyvalent, apprécié dans de nombreuses cuisines du monde. Voici une recette simple pour préparer des boulettes de viande de bœuf. Facile, rapide et vraiment pratique. Les amis, installez-vous confortablement. Je vais partager avec vous cette recette. Les amis, aujourd'hui, on va faire les boulettes de viande. Donc, j'ai 250 g de boulettes, j'ai rajouté du sel, des oignons hachés finement, de l'ail, du poivre blanc. Et avec à l'aide d'une cuillère, je vais bien mélanger. Et après cela, je vais commencer à former mes petites boules, mes boulettes. Donc, voilà, j'ai déjà bien mélangé la viande hachée avec tous les condiments. Et après, vous pouvez aussi rajouter les condiments de votre choix. Mais là, j'ai utilisé les condiments principaux pour les boulettes. Donc, à l'aide de la cuillère, comme vous voyez là, je vais former des petites boulettes comme ça, comme vous voyez. Et après, je vais passer à la cuisson. Une fois que les boulettes sont formées, ben, je vais rajouter juste une cuillerée d'huile d'olive dans la casserole. Et je vais y incorporer toutes les boulettes et je vais passer au feu, à feu très doux, les amis. J'insiste doux, très doux. Pourquoi? Parce qu'il faut que les boulettes cuisent de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je vais pas aussi hésiter de retourner le côté une fois que ça sera doré et je vais continuer à les cuire à feu bien doux. Les amis, si vous me suivez sur Facebook, sachez que je réponds au même nom, les petits plats de Ariane. Si c'est sur YouTube, Instagram, TikTok, je réponds au même nom, les petits plats de Ariane. Les amis, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Beaucoup le sont déjà, mais pas tous. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification, laisser des gentils petits commentaires, liker et surtout partager, les amis. C'est très important de partager car ça permet à d'autres personnes de savoir ce que nous faisons, vous comprenez? Et ça nous permet de partager. Moi, je partage avec vous mes recettes et vous m'aidez en les partageant dans vos réseaux sociaux, à vos proches, amis et familles et membres de la famille. Donc voilà les amis, après presque 10 minutes de cuisson, j'ai retourné le feu. Les boulettes commencent à être dorées petit à petit et je vais continuer la cuisson. Vous voyez le jus? Les boulettes ont lâché beaucoup d'huile et beaucoup de jus. Voilà pourquoi j'avais insisté sur la quantité d'huile. Une cuillerée à soupe, c'est le maximum. Et si vous voulez, vous pouvez juste huiler la casserole ou la poêle et ça fera l'effet. Surtout que le feu est très doux, donc ça ne va pas cramer. Vous voyez déjà les boulettes sont cuites. Et voilà le résultat. Quelle belle couleur! Quelle belle couleur! Elle peut s'accompagner avec une bonne sauce de piment. D'ailleurs, dans le descriptif, je vais vous laisser la recette de la sauce piment. Ou alors, on peut continuer en sauce tomate. Je vous laisserai la recette.